Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites internet. Aujourd'hui, nous continuons de parler de l'élément panneau. Ok, panneau, c'est l'élément important pour votre site internet. Sans le panneau, vous ne pouvez pas créer tout votre site internet, surtout quand vous utilisez l'outil Sheeta de la plateforme Budroll. C'est avec ça que nous faisons cette présentation. Dans le précédent épisode, on avait parlé de la bordure. Donc aujourd'hui, j'aimerais continuer sur la bordure et vous parler des rayons de courbure hein, ou des rayons de bordure. Au fait, pour ça, donc là, on est sur le panneau pour pouvoir travailler sur les fonctionnalités, modifier le panneau. Tout ce que vous avez à faire, vous cliquez dans le vide vous cliquez sur le panneau hein, dans le vide et vous cliquez sur le crayon. Du coup, vous aurez cette fonctionnalité-là. Ok. Donc une fois que vous l'avez la dernière fois, on a parlé de bordure. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette fonctionnalité parce que les deux sont liés. Donc, ici, au fait, pour rajouter des rayons de courbure à votre bordure. Donc, actuellement, c'est 0, 0, 0. Et vous voyez que c'est carré. Bon, du moins, c'est des endroits. Si je veux, par exemple, avoir des rayons de courbure, on va dire, hein, je peux mettre, par exemple, là, 60. Là. Vous voyez, du coup, ce n'est plus droit. Mais c'est plutôt arrondi. Donc je peux aller plus loin. Hein. Je peux mettre par exemple là. Je vais mettre 150. On va voir ce que ça donne. Ok. Ok. Si je veux un peu plus grand, je peux le faire. Je vais mettre 300. Ça donne quoi? Ça donne ça. Donc vous voyez, ça, c'est des choses que vous pouvez faire sur votre site internet. Donc rajouter des rayons de courbure, etc. C'est des possibilités. C'est des possibilités que vous avez. Donc je peux ramener la même chose ici. Okay. Donc ça fera ça et je peux continuer de la même façon, ok, etc. etc. Donc si je veux que ça reste comme ceci, je peux laisser comme cela, ok, ou je peux aussi rajouter l'arrondi sur l'autre côté. Donc sur les panneaux, vous avez la possibilité de faire ça, de faire des choses arrondies comme ce que je suis en train de faire là. Donc ça apporte des effets cool hein, sur votre site internet. Donc si vous avez des questions sur ce que nous sommes en train de faire, n'hésitez pas, vos remarques et vos questions sont les bienvenues. Si vous êtes dans une démarche de création de site internet, sachez que nous avons créé une plateforme de formation gratuite pour vous aider à créer votre site internet. Tout ce que vous avez à faire pour y accéder, c'est d'aller sur notre site, le site internet de l'agence, adjouv2.fr, et vous scrollez vers le bas. Hein. Et vous avez, je commence ma formation, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez et vous aurez des ressources que vous pouvez télécharger aussi, hein, des modèles que vous pouvez télécharger gratuitement pour l'adapter à votre site internet. Si, et aussi n'oubliez pas hein, de vous abonner à notre page Facebook et notre chaîne YouTube. On se retrouve pour la prochaine fois pour une autre présentation. Au revoir.